We also have different other types of rock in different parts of the country. So now this is the stone you are focusing on? This is the stone we're focusing on. We're focusing on yellow tourmaline because there are not very many places where the stone comes out in the sizes that we're getting. As you can see, tourmaline has different, is a very versatile stone when it comes to different cuts. It's a stone which I think most people would love, because most people I don't think know that there is actually a yellow golden tourmaline. Mm. No, it's quite rare, yeah. So not very common. It's very rare, yeah. So your family was working with Campbell Bridget also? Yeah, actually for some time, of course we used to go there as children, and as we grew up, even during our school holidays, stones is something like it is in our blood. On se dirige donc vers une mine de tourmaline jaune. Mm-hmm. Oh yeah, you have two together. Like, yeah, like this. You have the two together. You're right. Yeah. Well, once you find the blue, then you find the golden yellow. Ah. Yeah. Yeah, you're right. Une golden tourmaline, tourmaline dorée, et les couleurs sont assez intéressantes. We are going underground. Yeah. Okay. Yeah. From the top is about 50 meters. Yeah, this is golden tourmaline. This is now from the matrix, the mine run. You can see the pieces of tourmaline in it. You like this job? I enjoy it. Yeah. It's a passion for you, right? It's a passion because I believe we're probably producing the gemstone that will make the new Jerusalem. If you look at that coloration, sometimes use a little bit of your imagination. You can see somebody's face in it. They look like faces. Yeah. Of diabolos. Faces of diabolos? Yeah, of diabolos sometimes. So you mean the diabolos is living in this hall? He was in the stones, yeah. Like before in paradise, huh? Yeah. So many faces. Yeah. So we tell him to release the stones now. They don't belong to him anymore. So you want the diabolo to give you the stones? Yeah. So yeah. They come from the darkness, they go into the light. They've been in the dark for too long, since the creation of the world they've been here. So now they need to come out and see the light. It still goes down, eh? It's another 15 meters down here. That meter is going to produce good stones, especially on the bottom. This is the golden yellow. Yeah, you can see that.
the small crystal, the gold and yellow forms inside the smoky quartz, mica and the feldspar in between. So we follow this smoky quartz and the blue. So whenever you see the blue, you'll get an indication of where the stones are. If you get good blue, you get good quality. Why did God put them in particular place for this particular time? So that you and I can come together. What are we doing here? We came here to give the devil a hard time. Okay. Yeah. I'd like to go to see miners because they are the one with their hands and with their mind. You see, Peter is, he's a clever man. He's a very clever man, he's educated and he's a hard worker. And these are the guys, you know, who go, you know, in the ground and get the stone. These stones, as long as they are in here, they are useless, they are dark. The value of the gemstone is about two things. It's about hard work and about hope. And in the case of Peter, it's about hard work and faith. It's not so much for the money, but for the love of just doing the job itself. And then the joy of knowing that you're participating in something, what we produce here, is going to be used probably worldwide on a world, you know, go all the way to China, maybe all the way to Japan or to America. You know, you make your small contribution in the world, one way or the other. And God's presence and power with you all the time. All right. Yeah. So, you're on the side of God, right? Of course. Always. From before the foundation of the world. On est en train d'arriver à la mine Rockland Kenya. On a rendez-vous avec Cédric Simonet, un des meilleurs experts français au niveau de la géologie des gisements de pierre gemme en Afrique, et notamment en Afrique de l'Est. Et ensuite, on a rendez-vous avec un autre géologue qui s'appelle Dr Gaston Guglielmi. Stone or the biggest stone that you have mined from here? Do you remember one? From Rockland, I can only tell from the production which I have actually been seeing myself. Uh-huh. And the biggest stone I've seen maybe could be about between 6 and 8 grams. 6 and 8 grams? Yes. And it was transparent? Not really. Not really? Not really. Still it was not as transparent. Yes. We are not able to match the quality of other stones coming from other areas within East Africa or East and Central Africa. Uh-huh. So we can still boost our production, we can still continue the production we have, but the quality of the stones we're getting so far is not very competitive in the open market. We have ruby from Kenya, uh-huh. but up to years 2006, yes. We started realizing a decline in the demand for quality stones. And this is because other areas, as you mentioned, like Mozambique, we are coming up with more superior quality of gemstones. Yeah. But with very high hopes of one day maybe we'll strike a pocket and get some gem quality material and really good pieces. This is where we got most of our productions and a lot of it. Les caractéristiques de la veine varient d'un endroit à l'autre. Il y a des endroits les plus larges, elle fait 3-4 mètres de large. Certains endroits, elle est beaucoup plus riche en rubis, d'autres moins. Certains endroits, c'est des petits rubis, d'autres, c'est des gros. Des fois, il y a de la tourmaline. Et je suis l'ancien directeur de la mine John Saul. Et là, tu retrouves la tourmaline, la bravite. Je travaille à l'université de Nancy et dans le cadre d'une collaboration avec l'université de Nairobi sur la genèse des gemmes dans le Tsavo. Nord 330.
ça en fait je vais en faire des cartes. Donc je vais reporter toutes ces mesures pour voir comment cette géométrie varie dans l'espace. Et donc je suis ici pour travailler sur la géométrie du précambrien local. I'm business partner of Cedric's here. I have 20 years experience looking for gold. This is the first time I'm going to be looking at gems. Only mining and mining and mining. Eat stones, produce stones, sell stones. Ever. Là actuellement je travaille plutôt la tourmaline parce que les prix sont meilleurs actuellement. Did you got some good stone so far? No. Not only yet. The fracture, but at least they have a price and they can be able to pay. Oh good. Very good one. Lucky. Very good. Quelles sont les pierres à l'intérieur de ça? Rubis, tourmaline. Le feldspar et maintenant le mica ici. Voilà. Je suis en train de récupérer un petit peu pour tout le monde, hein, pour les GIE. Ensuite, on va aller visiter une mine de Tsavorite qui appartient à M. Micheni. La société s'appelle Tsavorite. Géologue okay. Campbell Bridges et il a décidé d'associer le nom de ce grenat au nom du parc national de Tsavo qui a été assassiné en 2009. Some good ma- alors, voilà. Ils suivent les indicateurs, c'est le graphite. Donc on y trouve beaucoup de graphite. À l'intérieur, on trouve ces poches. Et au centre de la poche, vous trouvez la Tsavorite. Donc c'est un grenat vert. Et voilà, une belle Tsavorite dans un nodule. Les cristaux de Tsavorite, ils sont radiaires par rapport à un cœur. Donc ils ont cristallisé là-dessus. Hein. Ils ont cristallisé à partir d'un cœur. Putain, celui-là, il nous faut. Ah ouais, on peut l'avoir pour la recherche. Alors ça, c'est un échantillon qui, scientifiquement, a de la valeur parce qu'on arrive à comprendre, à essayer de comprendre la genèse de la Tsavorite dans un système fermé. Effectivement, cette cristallisation radiaire est extraordinaire. Ça, ici, c'est une mine, disons, traditionnelle, artisanale. Ça a commencé par un roux. Et ensuite, ils ont fait des galeries en essayant de suivre la veine riche en tsavorite. Et donc, on va aller voir. The production, I was showing it from that time. From the main gate of the underground is about 250 feet. Une poche comme ça au moment où ils l'ont sorti, c'est quand même un truc un peu exceptionnel, donc on est vraiment très content. On a une très belle pochette de Tsavorite.
Ça va être un excellent échantillon de référence. Bien sûr, il fait chaud, c'est chaud, c'est humide, il y a du conflit. Mais bon, il y a de l'air, on peut respirer et ça va. Hein, c'est... Bon, c'est dur, c'est comme tout travail de cuisinier, hein, c'est un travail qui est dur. Hein. Mais bon, c'est un travail aussi qui leur permet de... qui leur permet d'avoir un revenu supérieur à travailler par exemple dans l'agriculture, qui est aussi un travail très très dur dans cette région. Donc bon, bah, ils sont assez contents de le faire, ça leur donne de l'emploi. Et c'est ce qu'ils veulent, ils veulent bosser pour pouvoir bah, faire vivre leur famille. Hein. Depuis ma dernière visite 2009 sur ces différentes mines, dont la Rockland Mine, et ici à Kouai, je m'aperçois effectivement que la production a vraiment diminué et l'activité surtout minière a nettement diminué. Donc il y a eu sûrement des explications. Le cas aussi bien en Birmanie qu'ici, l'activité minière a beaucoup baissé du fait de cette compétition et ce nouveau matériel qui vient du Mozambique et de Madagascar. C'est un peu la difficulté qu'ont ces mineurs ici. Ils ont énormément de pierres au niveau de la mine, ils ont un gros potentiel minier, mais ils ont un gros problème commercial. Il y a eu d'autres chaînes de montagnes anciennes, donc il y en a une série, mais oui, ça fait partie effectivement d'une des parties du monde où on a un des meilleurs potentiels en termes de minéralisation. Quasiment tous les ans, on trouve de nouveaux gisements de rubis sur l'Afrique de l'Est. Entre Madagascar, depuis le nord du Mozambique, jusque quasiment au sud de l'Égypte, toutes ces zones est potentiellement riche en pierres précieuses, aussi bien rubis, saphir, émeraude, tsavorite, tourmaline. Il y a énormément de potentiel sur toute la région.